Voici la partie 3 de la harpe du soleil. Regardez ce magnifique étalon. Nous allons prendre celui-là. Oui, excellent choix. Oui, je le sais. Allons-y, préparez-vous derrière. Vous êtes prêts? Oui, on démarre. C'est bon, voilà, tu peux le mettre dans le van. Ok. C'est bon, on peut partir. Arrivé à destination. Voici ton nouveau chez toi maintenant. Bonne nuit, beau Mustang. Il pensa à son troupeau. Pensait-il toujours à lui? Ou se fichait complètement qu'il ait été capturé. Un d'eux s'interposa pour devenir le chef, jusqu'à que Spirit revienne. Mais Terreur n'était pas de cet avis. Une bagarre éclata. Et Terreur gagna. Alors, notre chef Étal rentra dans ses rangs pour continuer à vivre. Mais alors notre cher étalon rentra dans les rangs pour survivre. Pour se détendre un peu, il alla voler. Car, eh oui, il était capable de voler. Il se posta à un point haut pour observer le trou. Il vola jour et nuit pour pouvoir aller juste un centimètre de son chef. Et il arriva au point convenu. Il aperçut Spirit d'eau. Et atterrit loin pour aller chercher son
sur Britain pour Mange. Ils discutèrent longtemps pour savoir. Spirit était impatient d'avoir de nouvelles de son troupeau, mais il fallait rentrer. Voyant la distance à parcourir, Edwin a alors eu l'idée de prendre Spirit sur son dos en volant. Mais il avait encore le trajet à parcourir. Spirit a donc... Edwin a donc eu l'idée de prendre Spirit sur son dos, à vol de cheval. Ils arrivèrent au troupeau. Et Terreur, ne les ayant pas vus, continua à parler au troupeau, croyant qu'il était toujours le chef. Edwin expliqua à Spirit ce qui s'était passé. Spirit donna une sanction à Terreur. Il a été écarté du troupeau pour 3 jours. Puis le printemps arriva. Les boutons commençaient à s'ouvrir. Les fleurs à fleurir. Bref, la saison préférée des chevaux, là où l'herbe est la plus tendre et la plus grasse. Et aussi, là où ils peuvent manger des fleurs à volonté, c'est-à-dire le champ de Margaret, qui était à 10 jours de marche de là. Ils se mirent en route. Et puis un jour, ils y sont arrivés. Le champ de Marguerite, bien enrichi aussi en trèfles et autres végétations, le pré préféré des chevaux. Mais cela, vous le saurez la prochaine fois lors de l'épisode 5. De votre. Lors de l'épisode 4, de votre série préférée, La Harde du Soleil.